Tina est une fille de dress parade. Elle a un peu le défaut de Spanish Mode. Et c'est bien une fille de Spanish Mode que vous avez devant vous. Qui, elle, n'est pas allouée. Ils ont la fibre éleveur. N'est pas à vendre. Ils veulent la garder après la course, mais ils veulent la louer. Ils veulent qu'elle soit exploitée. On va marcher ? Il faut qu'elle soit exploitée, puisque c'est quand même une Spanish Mode sur dress parade. Et d'une souche remarquable. Puisque si vous regardez bien, marchez, marchez. On ne va pas avoir le temps de la présentation pour toutes les numérer. Mais dès la deuxième mère, vous n'avez que du classique. Ograndi, Caruso, Soyoung, Demé, Bastat Frobe récemment, souvenez-vous. Bastat Frobe pris cran à Longchamp. Mary, Lurano, Kepland. Que du beau monde. Et Cosina, elle a déjà trouvé un vainqueur. Et ce vainqueur, Sakoleva, avait donc gagné, c'est une pouliche qui avait gagné, une fille de l'Avirco, qui avait gagné et qui a aussi produit un gagnant. Vous longez la liste avec la pouliche à l'intérieur. En liberté, hein. En liberté. Donc on retrouve ici déjà du classique, puisque la mère n'a pas gagné pour l'instant, n'a pas gagné sur les pistes de course classique, mais avec la même tenue en plat. Mais elle est à la tête d'une pouliche classique, Uxina par le Balafré, qui a été seconde du prix du Bourbonnais.